encore Hailey. Dans le dernier épisode, Eric était parti à Los Angeles pour devenir une vedette montante. Alors que j'ai resté dans le pays, il me manquait énormément. Quand il m'a dit qu'il faisait sa première performance sur scène, j'ai décidé d'aller à Los Angeles et de lui faire la surprise. Mais mon plan a échoué lamentablement lorsque je me suis présentée à la mauvaise adresse. Puis son manager Will a répondu au téléphone et m'a dit qu'Eric était trop occupé pour me rencontrer. Naturellement, je me suis senti déprimée. Mais Anna et Kurt ont insisté pour me remonter le moral. Alors ils m'ont emmenée à Disneyland. Bon, j'ai essayé de m'amuser, vraiment. Mais partout où je regardais, je voyais des couples d'amoureux. Anna et Kurt semblaient se rapprocher. Ils continuaient à prendre des photos ensemble. Aussi heureuse que je l'étais pour eux, cela m'a rappelé qu'Eric n'était pas là avec moi. Puis, alors que j'étais en pleine réflexion, mon téléphone a sonné. J'ai souri en voyant que c'était un message d'Eric. Et j'ai présumé qu'il m'envoyait son adresse. Mais au lieu de ça, il a dit Il y a des tickets VIP à récupérer pour toi. J'ai hâte de te voir en coulisses après le spectacle. Je n'en croyais pas mes yeux. Eric nous avait obtenu trois tickets VIP. C'était un spectacle à guichet fermé, donc c'était la chose la plus cool qui soit. Dès que j'ai montré le message à mes amis, Anna a poussé un cri d'excitation. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que Kurt n'avait pas l'air si excité que ça. Nous sommes préparés et sommes arrivés au spectacle très tôt. Je suis allé au stand pour récupérer les tickets. Je les ai regardés avec joie, mais il n'y avait rien sur eux qui indiquait qu'il s'agissait de tickets VIP. Il devait y avoir une erreur, n'est-ce pas J'ai donc demandé à la dame derrière le bureau. Elle a froncé les sourcils et m'a assuré qu'il n'y avait pas d'erreur. Agacé, je suis parti et j'ai appelé Eric, mais sans surprise, il n'a pas répondu. Il était sans doute en répétition ou quelque chose comme ça. J'étais vraiment déçu parce que je voulais juste être à ses côtés. Pour l'encourager et l'applaudir la première fois qu'il performe sur scène. Mais maintenant, je ne pouvais pas. En plus, j'étais un peu nerveuse à l'idée que son trac revienne. J'ai expliqué la confusion aux autres, et Anna était plutôt cool à ce sujet. Et Kurt a juste roulé des yeux et murmuré chiffre ». Je n'ai pas pris la peine de lui demander ce qu'il entendait par là. J'étais déjà assez déprimée. Le spectacle était génial, et la performance d'Eric, eh bien, c'était tellement formidable. Il avait tellement progressé depuis la dernière fois que je l'avais entendu, et j'étais si fière de lui. Dès que le spectacle s'est terminé, j'ai rappelé Eric et cette fois, il a décroché. Je lui ai parlé des tickets et il a semblé confus. Il m'a confirmé qu'il avait demandé au manager trois tickets VIP pour nous. Puis Eric a continué. Maintenant, je rejoins un after-party. Je t'envoie l'adresse. On se retrouve là-bas. Je lui ai répondu. Bien sûr, j'y serai. Tu me manques. J'ai parlé de la fête à Anna et Kurt. Mais ils ont tous les deux dit qu'ils étaient fatigués, alors ils sont rentrés à l'hôtel. C'est bon, j'ai pris un taxi, et je suis allée à la fête toute seule. Dès que je suis entrée, j'ai été submergée par l'agitation de la fête. Je n'étais là que depuis quelques minutes, et j'ai vu un acteur super célèbre passer devant moi. C'était trop cool. J'ai pris un verre de vin, et je me suis tenue dans un coin de la pièce et j'ai regardé Eric. Il se tenait au milieu de la foule, entouré de beaucoup de gens qui portaient des toasts. Soudain je me suis sentie comme une étrangère. Maintenant, Eric était une star montante et j'étais encore une enfant inconnue. Au bout d'un moment, la foule s'est clairsemée, puis un Eric souriant s'est approché de moi. Oh mon Dieu, mon cœur battait si fort. Enfin j'ai pu le rencontrer. Je l'ai salué avec joie. Mais soudain, Will s'est approché et lui a murmuré quelque chose à l'oreille avant de l'éloigner. Quoi Pourquoi a-t-il fait ça Je n'ai même pas eu le temps de dire quoi que ce soit à Eric. Une agitation anxieuse tourbillonnait dans mon cœur. Alors je les ai suivis discrètement tous les deux. Will a arrêté Eric au bout du couloir et a dit durement :« Comment oses-tu amener cette fille ici Si la presse découvre cela, tu peux dire adieu à ta carrière. » Eric a répondu :« C'est ma petite amie. » Il a immédiatement interrompu :« Tu dois garder ça secret. Si tes fans savent que t'as déjà une petite amie et qu'elle n'est personne, ils te tourneront définitivement le dos. » Après un moment de silence, Eric a dit « C'est toi qui avais changé les tickets VIP en tickets ordinaires ?» Il répondit « Ouais, c'est moi. C'est pour le mieux. Crois-moi, tu ne veux pas que tous tes efforts soient perdus, n'est-ce pas ?» Eric s'est tué et n'a rien dit, puis Will a continué. « Tu vois, Hailey a vu ton succès, alors elle a voulu t'approcher. Pense-y. »« Quoi Qu'est-ce qu'il vient de dire J'étais choquée et en colère d'entendre ça. » J'ai attendu qu'Eric me défende. Mais, à ma grande confusion, il n'a rien dit. Est-ce que c'est ce que Eric pensait de moi Que je ne l'utilisais que pour profiter de sa célébrité Je suis immédiatement sortie et je suis apparue devant eux. Ils avaient tous les deux l'air totalement choqués, mais j'ai regardé Will d'un air furieux et je lui ai dit. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je m'en vais d'ici tout de suite. Puis je me suis tournée vers Eric. Je croyais sincèrement que tu avais plus confiance en moi. Je suppose que maintenant, je sais où je me situe, c'est fini entre nous. J'espère que la célébrité est à la hauteur de tes attentes. Je suis sortie de là en trombe, en me retenant de ne pas éclater en sanglots jusqu'à ce que j'atteigne la rue. J'ai eu si mal au cœur quand j'ai réalisé la dure réalité. La popularité était le mur invisible qui nous séparait Eric et moi. Puis, tout à coup, j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Je me suis retournée et j'ai vu Eric qui me poursuivait. Mais j'ai continué à marcher. Il m'a rattrapée et a tiré ma main. Ellie, tu as tout faux. Laisse moi t'expliquer. Je me suis arrêtée de marcher et j'ai dit. Je crois que j'ai assez entendu. Ne t'inquiète pas. Je n'affecterai pas ta carrière. Eric m'a rapidement interrompu. Non, ne dis pas ça. Je suis vraiment désolée. Ellie. Je te promets que je ne laisserai plus Will interférer avec notre relation. Il m'a serré très fort dans ses bras, et j'ai senti mon cœur fondre. Il me semblait si familier d'être dans ses bras. Il me manquait tellement, et je voulais le croire. Mes larmes continuaient à couler sur mes joues. Mais pas à cause de la colère, c'était des larmes d'amour. Nous sommes restés comme ça pendant longtemps. Puis Eric a dit Laisse-moi t'emmener à un endroit. Puis il m'a emmené à l'observatoire Griffith. Et waouh, c'était si beau Nous sommes assis là et avons regardé les étoiles scintiller. Cette nuit avait été une véritable montagne russe, mais en ce moment, il n'y avait nulle part ailleurs où j'aurais préféré être. Alors je l'ai regardé et je lui ai dit si seulement ce moment pouvait durer pour toujours, Eric m'a souri puis m'a demandé. Alors, combien de temps vas-tu rester ici Je l'ai regardé tristement et j'ai répondu. Je dois rentrer demain. Eric m'a supplié. Peux-tu rester une semaine de plus La semaine prochaine, je suis libre. Je te montrerai les endroits branchés de LA. Reste avec moi, s'il te plaît. Le club de swing se débrouillerait sans moi pendant une semaine, n'est-ce pas Et ce serait génial de passer du temps de qualité avec Eric. Donc j'ai accepté de rester une semaine de plus. Anna et Kurt avaient réservé des vols pour le lendemain, alors ils sont rentrés. Je suis contente d'avoir choisi de rester, car la semaine suivante avec Eric à mes côtés a été incroyable. Nous sommes allés dans de nombreux endroits sympas, comme le Gatit Center et le marché fermier. J'étais si heureuse de toujours être avec lui. Mais il y a une chose qui m'a agacée. Eric devait porter une perruque, un chapeau surdimensionné et de grandes lunettes pour se déguiser partout. Mais de toute façon, je savais que c'était le mieux pour lui, pour sa carrière et pour moi. La semaine est passée vite et bientôt mon dernier jour complet à Los Angeles est arrivé. Et même si mes amis et le club de swing me manquaient, je me sentais triste de quitter Eric. Eric se produisait à un festival de musique ce jour-là. Alors il m'a donné un ticket et m'a dit en souriant ⁇ Voilà, maintenant je sais que c'est vraiment VIP ⁇ C'était tellement gentil de sa part. Alors j'ai souri et les remercié. Le festival était énorme. Je n'avais jamais vu autant de monde de ma vie. Et puis il y avait la zone VIP. Oh mon Dieu, j'ai vu un rappeur de la liste A prier pour sa performance et un boys band célèbre pratiquer leur routine de danse. La performance d'Eric était comme toujours exceptionnelle. Après, je me suis précipité dans la zone VIP et dans la grande tente. Waouh, elle était remplie de tant de personnes célèbres. J'ai essayé de trouver Eric, puis je l'ai repéré dans un coin. Il parlait à une fille. Je me suis approchée de lui et je n'en croyais pas mes yeux. Avec lui, il y avait Clara. C'est cette chanteuse super célèbre qui a été surnommée la nouvelle Tyler Swift. Je l'admirais tellement. Elle n'a que deux ans de plus que moi, mais elle a accompli tant de choses. En me voyant, Eric m'a présenté Clara. Il s'avère qu'elle travaille pour la même maison de disques que lui et qu'ils se préparaient à sortir un produit ensemble. J'ai dit ⁇ Bonjour à Clara avec joie et lui ai demandé de prendre une photo avec moi. Je me suis dépêchée de prendre mon téléphone dans mon sac, et j'étais sur le point de le tenir pour prendre une photo, mais Clara a immédiatement repoussé ma main, et a fait un pas en arrière, puis a dit ⁇ Euh, non, je ne suis pas libre. ⁇ Cela m'a surpris, alors j'ai murmuré ⁇ Oh, d'accord. ⁇ Puis elle a doucement souri à Eric en lui frottant l'épaule, et a dit ⁇ Au revoir Eric, je te rejoins plus tard. ⁇ Puis, m'ignorant complètement, elle s'est éloignée. Euh, Qu'est-ce qui venait de se passer Je suis restée là, bouche bée et me sentais confuse. Honnêtement, d'accord, elle est une artiste célèbre. Et alors, était-il nécessaire qu'elle agisse délibérément avec arrogance comme ça pour prouver qu'elle est une star